Un tas de façons de composer, mais enfin, l'essence même de ma méthode, c'est de ne jamais très bien savoir clairement où je vais. Je commence un morceau avec un élément qui me paraît valable, et ensuite, je vis ce morceau en le composant. Et je le joue et le rejoue et le relis indéfiniment jusqu'à l'endroit où il est fini pour tâcher de trouver ce qui doit suivre. Naturellement, c'est pas qu'il n'y ait pas aussi des éléments de contrôle intellectuel dans l'affaire, mais en somme, c'est surtout basé sur la sensibilité musicale. Il arrive de temps en temps qu'une phrase un peu complète vous arrive d'un coup, mais en général, c'est extrêmement lent et la trouvaille est une trouvaille, disons plutôt de détails, enfin. Ce qui m'importe, c'est de trouver une chose qui permette un développement, qui permette d'aller plus loin, enfin, de trouver autre chose qui s'y rapporte. Ce jour-là, Franck Martin, dans sa chambre de travail de Naarden, nous a littéralement oubliés. Nous attendions qu'il ait fini de travailler pour enregistrer un entretien, et en attendant, nous avons filmé. La caméra et le micro sont là, mais le compositeur, absorbé par sa création, ne s'en est pas soucié une seconde. Le résultat, c'est ce document. Ding dong.